Alors comment je vais faire? Commencer à prendre un petit peu une stratégie là parce que... Non, trop tôt le dernier coup, trop tôt. Il reste plus grand chose. C'est le moment. Je sais que... Vas-y, je prends un petit peu. Vas-y, tu prends, tu prends, tu prends. C'est bon. Liberté. Absolument, madame. Vous êtes libre. Vous avez détruit ma forme charnelle. Je n'ai rien à vous offrir que ma gratitude. C'est tout ce qu'il nous fallait. La gratitude ne paie pas l'entretien des armes, Atreus. Le Valhalla m'attend. Au revoir. Salut, Shlyn. Pas vraiment sûr qu'elles veulent soi, me dire. Comment ça? Quelle que soit la raison de leur état, elles sont folles de rage. Comment tu le sais? Je le sais. La voix est impressionnée.
Elle dit que si on est capable de vaincre une Valkyrie, elle peut débloquer une nouvelle série de défis. Je crois que toutes les épées sont revenues. Ouais, bah non, hein. Salut. Ouais, c'est reparti pour un tour. Combo, pas plus. Un combo, pas plus. On peut pas être trop gourmand. Parce que à chaque fois, on s'y punir. Pas plus d'un. Ok. Je vais bien, mais d'abord, je vais la battre. Si j'arrive pas à la battre, je suis fichu dans tous les cas. Il reste plus rien. J'ai utilisé la rage, si je peux. Valhalla m'attend. Vous deux? Elle ne m'a même pas remarqué. Le conseil des 8. Ça devait être la dernière. Exact. Cap sur le Rockstow Lab Valkyr. Souviens-toi, se situe près des deux statues de rameurs sur la route qui nous a conduits au Burin des Tamgir. Parle-moi de ta reine. Est-elle forte? Plus forte que les Valkyries que nous avons combattues? C'est le moins qu'on puisse dire, mon frère. Alors nous devons nous préparer. Ok, c'est bon. On y va. Je vais même pas me faire chier avec la brume. Je me casse. Vous m'avez saoulé. Je m'en bats la race, je me casse. Est-ce que
bien ce que je crois ? Une armure inutile ? Inutile ? Oh, petit homme de peu de foi. Cette armure était celle d'Ivaldi. Elle a connu des jours meilleurs. Mais avec plus d'échos de brume, je pourrais la restaurer pour qu'elle contre les effets de la malédiction. Je ne vois pas de raison de s'attarder, à moins que cet atelier renferme des choses de valeur. Vous avez vu tous les coffres dans la salle centrale, non ? Plus toutes les babioles entassées dans le fond de l'atelier. Et les trois brèches du royaume, bien sûr. Mais mieux vaut faire attention avec ça. Pourquoi ça ? Ce sont littéralement des brèches à la surface de la réalité. Tu veux y passer la main ? À ta guise. Oh, ça me changera les idées. Allons. Le conseil des Valkyries. Les Valkyries viennent du Valhalla, n'est-ce pas ? Content de voir que tu suis, mon frère. C'est exact. Le Valhalla, la grande halle des Enériards, est leur demeure à Asgard. Mais là-bas, elles sont sous la supervision du père de tout en personne. Et les relations entre les Valkyries et Odin étaient tendues lorsque je lui servais de conseiller. Quoi ? Oh, c'est une très longue histoire, petit. Pour l'instant, contentons-nous de chercher des indices. Qu'elles t'entendent, petit. Les Hommes ne conservent qu'une trace de leur propriétaire. Le reste doit être en route pour le Valhalla, afin de remédier au désordre causé en leur absence. Honneur, maîtresse de la guerre. Après chaque conflit, elle venait sur le champ de bataille pour désigner les esprits dignes de rejoindre le Valhalla. Une basse besogne dont elle retirait une grande fierté. Chaque conflit, impossible. C'est la vérité. Elle était aidée par ses sœurs, certes, mais Gunnar était la première sur place. Son jugement des guerriers tombés était sans pareil, et une ressource inestimable pour Odin. Pardon. La vue de Gondul me laisse toujours sans voix. Gondul avait l'éloquence, l'esprit et un physique d'une telle splendeur qu'elle rendait littéralement les hommes fous. Odin finit d'ailleurs par lui interdire l'accès à Midgard, car la folie n'est pas une qualité appréciée au Valhalla. Ce n'est nul autre que Gerdrifull, la maîtresse d'armes du Valhalla, chargée d'armer et d'entraîner les Einherjars d'Odin. Et quoi ? Ses guerriers, pour le jour du Ragnarok. La seule raison d'être du Valhalla. Les Einherjars attendent dans la grande halle, festoyant, buvant, forniquant joyeusement. Et à l'heure du Ragnarok, Odin les appellera afin qu'ils combattent pour lui. Gerdrifull avait fort à faire avec de tels spécimens. Je vous présente Kara. Voyez-vous, les Valkyries sont impétueuses par nature, mais Kara, cette femme était une tempête incarnée. Une tempête ? Oui. Calme et sereine, puis le vent tourne et la fureur de sa tempête se déchaîne. C'était magnifique. Dans un sens, si vous parveniez à vous mettre à l'abri, ses larmes nettoyaient le sang sur les champs de bataille.
Voici Rota, celle qui choisit les morts. Croyez que toutes les Valkyries faisaient ça? Pas exactement, petit. Même si c'est ce pourquoi elles sont connues et que c'est leur plus grande responsabilité. Tu as vu ce qui arrive aux morts sans le jugement des Valkyries? Les Éléens. Tout juste. Rota, Gunnar, Skuld. Si elles n'interviennent pas au terme des batailles, elles regorgent d'âmes destinées au Valhalla. Un bien triste état de fait. Rota doit être furieuse. Ah, et ici, nous avons Ere, la guérisseuse. Une Valkyrie qui soigne. Étrange. Ere était étrange, effectivement. Très discrète, très calme. Alors que ses sœurs étaient brutales et rapides. Ere était un courant apaisant. Elle soignait les plaies des dieux et des mortels. Et même d'un certain sage omniscient qui tomba d'une montagne après avoir trop bu. Je n'en suis pas très fier. Alors, Hildur, maîtresse des batailles. Odin et elle s'entendaient bien. Entre elle et les autres Valkyries, c'était une autre histoire. Elle passait le plus clair de son temps à Midgard, observant la discorde entre les mortels et la semant parfois elle-même. Elle ne vivait que pour le conflit. Pour certains, elle incarnait le conflit. Je me demande ce qu'il adviendra d'elle à présent qu'elle est libre. Olrun, jadis la fille d'un puissant chef, elle mourut en le défendant lors d'une attaque de pillards. Olrun fut escortée au Valhalla, où elle décida de vouer son éternité à la quête du savoir, par-dessus tout. Un comportement plutôt inhabituel au milieu des festins et des beuveries des occupants de la Grande Halle. Comment elle est devenue une Valkyrie ? Odin. Il se reconnut dans la quête obsessionnelle de connaissances d'Olrun. Il la nomma historienne permanente des Valkyries. Yeah.
vous avez sauvé les Valkyries. Sigrun, comment est-ce arrivé? Mimir, est-ce bien toi? Tu es libre, mais... La liberté a un prix, madame. Ce que tu dis est juste. De nombreux hivers, nous avons servi le père de tout. Mais nous avons eu un aperçu de la liberté que par son union avec la reine. Vous n'êtes pas la reine? Il n'y a jamais eu qu'une reine des Valkyries, la déesse Freya. Quand Odin lui prit ses ailes, j'ai servi à sa place. Mais cela ne convenait pas au père de tout. Il s'est servi d'un sort magique archaïque pour corrompre mes sœurs. J'ai alors voulu limiter le mal en les enfermant là où elles ne porteraient préjudice à personne, mais... je me suis perdu moi-même. Sigrun, je regrette d'avoir été si lâche. J'aurais pu faire quelque chose. Ou essayer au moins. Que vas-tu faire maintenant? Je dois rejoindre mes sœurs. Ensemble, nous restaurerons l'équilibre entre les royaumes. Vous avez la reconnaissance éternelle des Valkyries. Nous avons réussi, je suppose. Ça n'a pas l'air de se faire montrer jouer. Il est difficile de se réjouir de quoi que ce soit quand on n'est qu'une tête ressuscitée. Je suis content que nous ayons pu libérer les Valkyries. Mais tout ceci aurait pu être évité, si seulement... Tu l'as dit toi-même, tête. Ça n'a plus d'importance. Le passé est le passé. Bien, c'est extrêmement positif venant de toi. Je suis de bonne humeur. Les nains vont pouvoir transformer ce home. Ton père est un peu obsessionnel, non, petit? On peut dire ça. Et la reine des Valkyries. Elle ne nous l'a pas dit. Et toi non plus. Explique-toi, tête. Où es-tu encore ensorcelée? Pas du tout. Freya a été la reine des Valkyries. Une partie de sa dot de mariage était d'en prendre le commandement. C'était une puissante déesse Van et elle la vénérait. Mais j'ignorais à quel point jusque-là. Pourquoi t'as voulu servir Odin? À l'époque, j'étais encore jeune, plein d'ambition. Les dieux As étaient puissants, sans aucun doute. Mais il manquait clairement de stratégie, de logique et de sagesse. Et cela, j'étais prêt à le leur apporter. Ainsi, un étranger d'une île lointaine obtint-il l'attention d'Odin et la confiance qu'il n'accordait à nul autre qu'à lui-même. Et un tel pouvoir, je dois l'avouer, est assorti d'un certain nombre d'avantages. Oui, mais c'est Odin. Je n'ai jamais prétendu être parfait, jeune maître. Juste intelligent, et souvent même un peu trop.